Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je viens de décider de faire il y a vraiment pas longtemps. Je vous avais dit, pour ceux qui me suivent un petit peu dans mes vlogs, que peut-être je regrouperais un peu... J'avais peut-être pour idée de faire un haul mes achats de l'été, ce genre de choses, make-up, mode, skincare, etc. Et puis finalement je vous en ai partagé une partie dans mes vlogs, sauf qu'après je me dis bah tout le monde regarde pas les vlogs, il y a des gens qui vont plus s'intéresser justement au partage de produits. Donc pour le coup j'ai à peu près je pense tout rassemblé et je vais commencer à tourner cette vidéo, sachant qu'il y a des choses qui vont arriver aussi. Là je vais vous partager des choses que j'ai plus achetées en boutique. Et puis vous allez voir qu'après il y aura quelques petites commandes, donc cette vidéo sera en plusieurs parties, vous verrez pas la différence, j'aurai juste très certainement pas le même look. Donc c'est parti, on y va pour le partage. Donc je vais commencer par Sephora, donc bah, pour ceux qui me suivent sur toutes mes vidéos, il y aura un petit peu de répétition, mais il y a peut-être des choses que je vais swatcher, que je vais pas swatcher quand j'en ai parlé. Donc comme je vous l'ai dit, au cours de l'été, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises dans des boutiques Sephora, et j'ai essayé de... Alors j'y ai passé beaucoup de temps pour retrouver le plaisir de swatcher, de voir, de... Voilà, juste du plaisir en fait. Et puis j'avais quelques produits en tête, en wishlist, et donc j'ai pu me les procurer. Donc comme j'en avais déjà parlé au niveau de la skincare Fenty Skin, je suis une grande fan et j'ai donc craqué pour un des derniers produits. Il s'agit d'un nettoyant gommant pour le quotidien à la cerise. Donc voilà, c'est chose faite. J'aurais pas forcément cru craquer pour ce type de produit, mais en regardant bien, je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. Comment vous dire, c'est vrai que je vais plus vers me tourner vers un produit que je vais pouvoir utiliser un peu plus au quotidien ou quoi. Je mets pas une fortune dans tout ce qui est masque, les gommages encore moins, je dirais, j'en fais même pas assez je pense. Mais j'avais déjà eu ce type de produit qu'on peut utiliser déjà plusieurs fois dans la semaine. Donc ce que je vais faire, bah, bien entendu, c'est que je vais le tester et je vous ferai un retour de, voilà, s'il n'est pas trop agressif, ce genre de choses. Et là, pour le coup, alors vous allez voir, il y a d'autres produits, mais je vais incessamment sous peu tourner une vidéo de produits terminés. Je confirme hein, qu'au niveau des produits Fenty, moi je suis vraiment, c'est une régalade à chaque fois. Je suis en train de terminer le contour des yeux et je suis, il est dans mon panier déjà, je vais me le reprendre d'office, c'est une merveille. Donc j'en ai pris quand même un autre, vous allez voir, histoire de continuer à tester, mais j'aime bien en avoir un sur lequel, voilà, comme j'ai eu pendant pas mal de temps, celui de Charlotte Tilbury, vraiment voilà, bien dans le plutôt riche, sur lequel je vais vraiment pouvoir compter quand il y a des moments un petit peu difficiles et tout ça, et surtout qui fonctionne quand même malgré tout avec le make-up, parce que en général, les contours des yeux riches, je les mets le soir, mais ça peut m'arriver aussi la journée. Donc, il faut que ça fonctionne avec le make-up. Petite parenthèse des produits Fenty Skin. Ensuite, on passe. Donc, il y avait, comme je l'avais dit un petit peu dans mon vlog, beaucoup de stands que j'avais moi-même jamais vu dans mes anciens Sephora. Donc, celui de Rare Beauty particulièrement, mais j'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment un large choix. Si ce n'est que quelques-uns sont mal réapprovisionnés, qu'il y a beaucoup de produits en fait qui sont en rupture ou quoi, donc bon, c'est pas toujours évident. Dans le pire des cas, il est resté les testeurs, donc j'ai pu me rendre compte si le produit me plaisait ou pas, puis le commander éventuellement, il y a toujours une solution. Et ça faisait un petit moment que je voulais tester le bronzer stick de chez Rare Beauty. Donc bah, ça va être chose faite puisque je viens de le prendre. Donc ici on est sur la teinte Bright Side, si je ne dis pas de bêtises. Le petit côté chic, toujours hein, dans la plupart des packaging. Et donc, bah, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu passer, le principe du produit contour stick. Mais alors la teinte, je l'ai toujours aperçue à travers des vidéos ou des choses comme ça, et je l'ai toujours trouvé très très joli. Je commence un petit peu à essayer de l'estomper, mais je pense que ça va être plutôt... Il est... ni froid ni chaud, je trouve qu'il est vraiment entre les deux celui-là. Donc il y avait au moins deux teintes au-dessus je crois. Et la texture a l'air super sympa aussi. Je pense que ça va être super sympa à travailler ce genre de... En tout cas il y a des super retours, donc je ne veux pas trop m'avancer non plus. Des fois il y a des super retours et puis moi je valide pas forcément. Ça dépend, mais c'est voilà, c'est un des produits franchement de la marque que j'avais très envie de tester. Il y en a d'autres, hein. Après voilà, il y a des prix, je trouve qu'il y a des gammes de prix chez Rare Beauty qui...
Bon, voilà, c'est un petit peu onéreux certains trucs, je trouve. Là, ça allait à peu près au niveau du bronzer. J'avais également un code magasin, donc ça m'a bien facilité les choses. Donc, à tester très bientôt. Et donc, je vous avais déjà parlé du fait que je souhaitais, c'est pas du tout une nouveauté, mais l'anti-cerne Glowish que j'ai vu maintes et maintes fois passer, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il est sorti ce produit. Que je me suis dit que c'était un type de produit qu'il fallait quand même mieux que je teste à la saison de l'été, de par le fait qu'il est très léger, mais voilà, tout le côté positif qui est dit sur ce produit, sa texture un petit peu lissante, voilà, ça m'a attiré en fait. Donc je m'y étais rendue à plusieurs reprises, je vous en avais fait part aussi, pas de teinte, enfin bon, tout un truc, mais c'est vrai que le genre, ces genres de produits, que ce soit les fonds de teint ou les anti-cernes, quand on peut swatcher avant, c'est tellement mieux. Donc je voulais pas faire de bêtises en commandant, et quand j'y suis retournée, il y avait la teinte, parce que dans mes swatchs, je trouvais que la teinte, donc light, pouvait être celle qui me correspondait le plus. Donc au niveau du packaging, on est sur un tube comme ça, avec un petit embout par ici. Et voilà pour la teinte. Donc il est quand même assez clair, mais pas autant que... Enfin, d'habitude, je suis quand même dans les teintes les plus claires. Là, c'est la troisième teinte. Hein. Donc je pense que ça devrait aller. Alors, je suis en train de le tapoter un petit peu. Il fait pas du tout effet blanc hein, quand on le tapote. Donc je pense que ça va là. J'ai pas du tout envie de ça en ce moment, des choses trop, trop blanches. Effectivement, il a l'air d'être super léger. On n'est pas sur une couvrance... hyper présente, hein, ça c'est clair, mais de ce que j'entends, c'est plus le rendu, voilà, effet reposé, très relaxé, on va dire. C'est vraiment ce que j'ai entendu, donc voilà, ma passion des anti-cernes, moi aussi, je testerai ce produit. Donc je me suis également rendue dans un grand Monoprix où il y avait pas mal de stands de marques que je n'ai pas moi dans mon quotidien, donc je me suis arrêtée particulièrement sur le stand de chez NYX, qui est une marque que j'aime beaucoup. Et j'y suis allée, alors j'ai regardé un petit peu, je voulais voir pour les produits sourcils, voir s'il y avait des produits qui me tentaient à distance, on va dire, mais que, bah, voilà, je voulais trouver des occasions de les swatcher ou quoi. Et je me suis arrêtée sur trois petits produits, je trouve que j'ai été fort raisonnable quand même, parce que c'est vrai que des fois, quand on voit les produits, on est plus tenté que devant notre ordi sur le site ou quoi. Donc ça fait très longtemps que j'avais envie de tester ces petites ombres à paupières qui existent en plusieurs teintes. Donc ce sont les Glow Shot, Ultimate Glow Shot. Donc il y a plusieurs teintes plutôt claires dans l'ensemble. Une un petit peu plus flashy, fuchsia je crois. Donc je vais vous le swatcher. J'ai déjà fait un make-up avec et c'est un excellent produit. La seule chose c'est que je pense qu'au niveau de la teinte, je suis partie sur un truc peut-être un petit peu trop commun. Vous allez voir, donc je vous ai fait le swatch. Hein. C'est très très joli. En un passage, vous avez déjà une très belle lumière qui se dégage. C'est plutôt opaque. La tenue est excellente. J'ai pu le porter toute la journée sans y retoucher. Aucun souci, ça se travaille bien. Je le tapote un peu pour que vous voyez. Juste, étant donné que je sors d'achat de fards liquides type Linda Alberg, multi-reflets, forcément, vous passez à ça derrière. Il y a un petit côté fade en fait. Voilà, on n'est pas du tout dans des choses duochromes. C'est pas hyper scintillant. Ça vous fait un petit peu un effet métallisé. C'est très joli. Je pense que pour le quotidien, le travail, ce genre de choses, pour aller vite, c'est ce que je vais utiliser. En coin interne, c'est super joli aussi. Surtout qu'avec l'embout, on peut très bien justement dessiner hein, un petit peu pour faire un coin lumineux avec le petit embout comme ça. Donc un très très bon produit. J'aurais peut-être pu me risquer à prendre une teinte un petit peu plus... J'avais hésité avec une teinte un peu plus mangue, je crois elle s'appelait. Là, c'est un champagne, hein, très clairement. Donc, c'est une teinte, voilà, plutôt gold. C'est super joli, mais juste, voilà, pour le quotidien, ça va suffire. De là, c'est pas un produit qui va être époustouflant à lui tout seul, mais super pratique, vraiment, pour aller vite et efficace. On peut compter dessus toute la journée, pas de souci. Dans la même lignée, des trucs qui tiennent bien chez NYX, ce sont les crayons. Alors moi, je connaissais surtout les liners, les Epic Liners, et j'avais toujours entendu du bien sur les crayons Kohl, hein, qui sont dans la même gamme, c'est les Epic Wear. Et donc, j'ai pris cette petite teinte en un peu rose gold aussi. Pareil, super jolie. Ils me font beaucoup penser aux tattoo liners de chez Maybelline, hein, tout simplement.
Donc là, pareil, vous voyez, juste un petit... ça, c'est ce que j'aime beaucoup mettre en muqueuse inférieure, par exemple, ou même souligner un petit peu pour ouvrir le regard, le coin interne. Enfin, voilà, donc pareil, je l'ai pas mal testé là, ces derniers jours, et il tient super bien, il est super joli. Donc, pareil, voilà, des produits, en fait, que je voulais confirmer leur qualité, on va dire, dont je suis sûre de me servir. Et voilà, j'ai pas voulu tenter d'autres choses, pour le coup, tout ce qui est palette et tout ça... C'est pas vers ces marques-là que je vais le plus. Et donc, au niveau sourcils, une petite... alors, c'est, je pense pas que ce soit une nouveauté, le Fill and Fluff. Donc, crayon sourcil avec la petite brosse pour coiffer et tout ça, en teinte taupe qui est ma teinte de sourcil chez NYX. Donc, je ne me tromperai pas à ce niveau-là. Et donc, ça se présente comme ça. Alors, ça fait un moment que j'ai pas été vers ce genre de crayon sourcil. Le dernier que j'ai eu dans ce genre-là, c'est de chez Unique. Donc comme j'y suis plus actuellement, je rachète pas forcément les produits, mais il y en a quand même certains. Je pense, voilà, je repasserai par mes collègues de l'époque ou quoi que ce soit pour reprendre des produits, parce qu'il y avait vraiment des produits sur lesquels voilà, au quotidien j'utilisais, donc dont le crayon sourcil, et je trouvais qu'il y ressemblait un petit peu avec sa pointe un petit peu triangulaire comme ça. Et voilà, comme je suis de nouveau un peu clairsemée, je pense qu'il faut que je fasse à nouveau une cure repousse cheveux, ongles, poils, sourcils, etc. et tout, parce que je trouve que, voilà, durant l'été, pourtant je leur ai rien fait particulier, mais je le vois au niveau de ce que je dois faire au niveau du crayon sourcil. Il y a des petits des comblements que j'avais pas forcément. Et comme je n'ai que les tout petites d'action en ce moment, qui sont très très bien, mais je les finis forcément beaucoup plus vite. Donc je voulais repartir vers quelque chose comme ça. Et donc de l'autre côté, alors c'est les Fenty aussi qui se montrent un peu comme ça. Hein. Hop, la petite brosse comme ça. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais à la limite, c'est pas trop grave. Donc, pareil, je le testerai pour voir, mais logiquement, chez NYX, en général, je suis rarement déçue. Alors, on va rester chez NYX, mais j'avais changé d'enseigne, tout simplement. J'ai eu l'occasion, je devais passer une commande Amazon pour d'autres raisons, et j'en ai profité pour me reprendre la base Marshmallow, qui me manque depuis une éternité, depuis que j'ai terminé le dernier. Donc, ce doit être mon troisième, c'est une de mes bases préférées. Voilà, quoi vous dire d'autre, je vous en ai énormément parlé. Donc c'est la fameuse Marshmallow Primer, hein, avec son odeur juste divine, et qui fait en plus super bien le job au niveau des bases de maquillage. Donc voilà, j'en ai profité pour le reprendre. C'est vrai que sur Amazon on retrouve quasiment tous les produits NYX, c'est hyper pratique, et pour le coup elle n'y était pas, en fait, quand j'étais passée dans le stand, donc ça tombait très bien. Sur ma commande Amazon, j'en ai également profité pour reprendre le sérum Mixa Hyalurogel, que vous retrouverez aussi certainement dans mes produits terminés. Donc là, pareil, 3 ou 4e fois que je le reprends. Je vous en ai déjà parlé, c'est une merveille à petit prix. Il dure quand même suffisamment longtemps. Quoi vous dire de plus, c'est un produit qu'on trouve dans nos supermarchés, donc déjà c'est hyper pratique. Il est très souvent en rupture, je remarque, moi je vais souvent à Leclerc ou quoi, et c'est souvent qu'il est en rupture, hein. Il est maintenant recommandé par tous. Moi j'ai souhaité profiter d'une commande Amazon, le prix était identique, il n'y avait quasiment pas de différence. Des fois vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, il faut surveiller de temps en temps. Mais donc je repars avec ce sérum. Donc lors de tous ces passages dans des enseignes différentes, il y avait également l'enseigne Saga, vers laquelle je vais quand j'ai l'occasion de temps en temps. Bon, il y a un petit peu, il y a beaucoup de la marque W7 par exemple qui fait des dupes de certains produits, et vous avez pas mal de produits L'Oréal, voilà. J'en passais des meilleurs, j'en ai profité pour reprendre, alors je ne l'ai pas descendu, mais je vous réaccrocherai la photo, le produit cheveux biphasé, en fait, hyper connu depuis des années chez Revlon, que moi j'utilise juste avant de mettre mon protecteur de chaleur si je viens à sécher ou lisser mes cheveux. Donc c'est un démêlant, en fait, biphasé, et chez Saga il y est tout le temps. Sinon je le commande en général sur Amazon, là j'avais l'occasion de le prendre, donc je l'ai pris. Et j'ai eu envie de tester cette petite chose, et là, grosse découverte, pépite, coup de cœur. C'est la grosse mode, la grosse tendance cette année, des huiles à lèvres, voilà, des choses un petit peu comme ça, et particulièrement autour de la cerise. Donc je crois que c'est Fenty Beauty qui avait sorti ça.
J'ai regardé quand j'y suis allée à Sephora et quand j'ai vu le prix, je me suis vite ravisée. Une huile à lèvres, ça reste un produit plus soin qu'autre chose, je trouve. Même si ça apporte un petit peu d'éclat, que ça reste un petit peu ou quoi, bon, voilà. Et il y avait la marque Golden Rose, qui est une marque que j'aime quand même plutôt pas mal, qu'on ne retrouve plus partout maintenant. Et donc, il y avait cette petite huile à lèvres teintée, donc saveur, senteur, hein, cerise. Donc, elle s'appelle Miss Beauty. Et c'est une pépite, franchement. Donc elle n'est pas hyper, vous voyez, bon c'est une huile, hein, donc c'est semi-transparent, un petit peu rouge. Et alors je trouve que dès que je l'applique, il se passe un truc, déjà c'est niveau sensorialité, c'est juste ce qu'il faut en fait, c'est ni trop peu ni trop. Et ça donne un coup de fouet au niveau des lèvres, c'est pas du tout mentholé ou quoi que ce soit, il y a vraiment le petit goût de cerise en fait. Mais ça apporte un effet un petit peu repulpant et la petite lumière en fait, un petit peu rougeâtre qui s'en dégage est super jolie je trouve. On m'a demandé à plusieurs fois ce que je portais comme gloss et en fait c'était juste ça. Et donc voilà, à tout petit prix, franchement, je me suis dit, ça fait un moment que je voulais tester ceux de NYX aussi, donc je pense que je testerai quand même parce qu'ils ont d'autres teintes qui ont l'air sympas, mais je voulais vraiment tester le principe du petit truc à la cerise, là, c'est ce qui se fait en ce moment. Et ben voilà, franchement, Golden Rose, bravo, c'est un super produit. Je continue avec Kiko, je suis passée assez brièvement, je crois que je vous ai fait un partage en vlog encore, mais bon, c'est pas grave, je vais un petit peu me répéter. J'y suis allée initialement pour reprendre les produits pour les vernis qui sont excellents selon moi chez Kiko, j'ai jamais été déçue franchement. Et ils ont toujours, vous choisissez en fait, soit vous avez pour le soin, après vous avez tout ce qui est base, top coat, etc. Et il y a ce fameux petit produit, alors qui existe sous deux formats il me semble, qui s'appelle le Fast and Shiny et qui fait base et top coat. Et il est juste génial. C'est celui que j'ai réutilisé tout l'été, c'est pourquoi j'ai eu besoin d'en racheter un autre. Et franchement, à chaque fois que je fais une manucure classique, avec des vernis, même petit prix. Hein. Là, les derniers que j'ai fait, c'est des vernis. Il y a eu ceux d'Action, j'ai ceux d'Yves Rocher et tout ça. Et ça me tient une semaine. Franchement, c'est juste super. Donc là, j'en ai refait encore une. Et là, cette fois-ci, c'est des vernis dont je vous avais parlé dans un haul solde des Galeries Lafayette. Je les trouve super sympas. Donc bon bref, j'avais une grosse consommation, donc je suis retournée prendre ce produit-là. J'ai également repris dans le rayon classique un crayon Kohl marron, c'est ce dont j'ai la plus grosse consommation, encore plus que le noir je dirais. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des marques, alors hormis ceux de Linda Alberg dont je vous ai déjà parlé, que j'achète en général quand j'ai l'occasion de passer une commande. Là j'ai terminé le marron que j'avais pris la dernière fois, parce que j'en mets tous les jours quasiment. Donc là, je suis partie simplement sur les tout petits prix de chez Kiko. On verra ce que ça donne. Je crois les avoir déjà testés. Un marron quand même assez, assez soutenu. On verra bien ce que ça donne. Et donc, dans la lignée des buzz TikTok et compagnie sur les gloss Kiko, je m'en étais pris un. Vous savez, ils avaient sorti toute une édition limitée. Et puis, ils ont réagrandi leur collection avec des finis, avec des paillettes, ce genre de choses. Donc, ma fille en voulait absolument un pour son anniversaire. Je suis allée repérer les teintes et j'ai craqué pour celle-ci qui sera, comme je vous le disais, certainement pour moi. Et puis si vraiment elle trouve chouette, ben voilà, c'est celui-là que je le prendrai, mais c'est pas le numéro qu'elle m'avait recommandé. Donc c'est la teinte 05, tout simplement. Donc il faut faire attention dans ces glosses parce qu'en fait, il y a plein de finis. Vous avez des finis classiques, hein, lip gloss, nacré, pailleté, et ça correspond pas forcément au niveau des numéros. Ils sont un peu mélangés dans les gammes, donc moi je vais juste vous swatcher celui-ci qui est magnifique. Alors c'est un gloss, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais si, on le voit bien. Donc en fait dans le packaging, je trouvais qu'il faisait, j'avais un peu peur, je me suis dit mais ça va faire rose bonbon ce truc. Et en fait non, pas du tout, il est là, vous voyez. Et alors, c'est un milliard de paillettes juste toutes réunies pour un effet... je sais pas combien de teintes à l'intérieur, du rose, du blanc, du doré, c'est juste trop trop joli. Et donc ça, je me suis dit, même sur un crayon à lèvres, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être super joli. Donc je me suis arrêtée sur cette teinte-là, et c'est moi qui la porterai. Et pour terminer, chez Kiko, alors je savais pas forcément qu'il fonctionnait avec ce principe-là, mais j'avais droit à un cadeau. Il me semblait que j'avais des bons de réduction de temps en temps, le cadeau, j'avais jamais trop fait gaffe.
Bref, je devais choisir entre trois produits et j'ai décidé de prendre le démaquillant yeux et lèvres que je mettrai dans le petit... je prévois un petit pack pour l'anniversaire de ma fille. Je pense que je vais lui mettre pour elle. Je crois l'avoir déjà testé, il me semble qu'il est pas mal du tout. Voilà, bon, je trouvais ça sympa parce qu'en plus c'est le grand format. Donc voilà, les autres produits ne m'intéressaient pas trop. Mais c'était, ça fait toujours plaisir le petit cadeau en passant. Je termine avec deux produits skincare, donc là plutôt hypermarché, voilà, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Chez L'Oréal, je suis en train de terminer une de mes crèmes hydratantes, donc j'aime bien toujours racheter avant d'avoir complètement terminé. Et j'ai eu envie de retester dans la gamme Revitalift. Alors, retester, je connais pas la crème hydratante de jour, mais la gamme, j'ai déjà testé plusieurs produits, dont le sérum contour des yeux qui était plutôt chouette. Et là, c'est le gel crème repulpant acide hyaluronique. Nanana, dans le fameux petit packaging dont tout le monde parle en ce moment, vous pouvez même les acheter vides, ces packagings. Alors, ma fille l'a fait sur Shein, c'est pas une grande réussite. Voilà, ça se bouge quand même assez rapidement, ce genre de choses. Bon, après avoir, il faut que j'y regarde un petit peu, que je lui défasse, mais... Bon, quand je l'avais déjà vu cette gamme-là, et quand je me suis penchée un petit peu plus dessus, je me suis dit qu'elle valait quand même le coup, parce que le packaging est plutôt gros, plutôt joli, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup le principe. Et donc, c'est le système, en fait, où vous venez presser un peu à la... Je crois que c'est Drunk Elephant qui a sorti ça. C'est pas du tout le même prix, on est bien d'accord, même si les produits sont plutôt pas mal chez Drunk Elephant pour avoir testé des miniatures. Et donc là, voilà, ben, ce sera ma prochaine crème de jour, en fait. Alors, c'est gel crème. J'espère que ce sera quand même suffisamment hydratant. À cette saison, en général, il n'y a pas trop de soucis. Et là, je suis ravie, parce que franchement, j'avais envie de le tester depuis pas mal de temps. Il existe en version pour la nuit également. Donc, pourquoi pas aussi, hein, parce que comme je vous disais, chez L'Oréal, il y a toujours de très, très grosses pépites. Et je continue mes tests de contour des yeux. J'ai vu que Garnier, hein, qui a sorti toute sa gamme, là, qui a beaucoup fait le buzz aussi, avait sorti un soin pour les yeux, booster d'éclat vitamine C. Voilà, les yeux cernés, manque de signes de fatigue. Donc, il se présente comme ceci. Alors, je vais vous faire un petit débat sur mes utilisations. Et vous avez l'embout comme ça. Bon, c'est plutôt original, ça fait très soin, clairement. On verra bien ce qu'il donne. Bon, je peux avoir des bonnes surprises. Hein. Je sais très bien que dans les produits de supermarché, il y a des tueries, franchement. Il n'était pas cher du tout. Donc, j'ai eu envie de tester, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, j'ai eu le coup de cœur pour le contour des yeux Fenty. Attention, chez Fenty Skin, il y a deux contours des yeux, plus un masque, il me semble. Donc, voilà. Moi, je vous raccroche l'image de celui pour lequel j'ai eu le coup de cœur et je vous remets le lien en barre d'infos. Je vais le reprendre, quoi qu'il en soit. Le rapport qualité-prix est juste ce qu'il faut. C'est pas du prix de supermarché, c'est juste un peu au-dessus. Parfois, vous pouvez trouver dans les supermarchés des choses quand même assez élevées. Et je reste hyper fan des produits même contour des yeux, plus en peau, en fait, que dans ces packagings-là. Alors, c'est sûr que ça correspond plus à la quantité qu'on peut prendre. On en utilise beaucoup moins que pour tout le visage. Donc, la plupart... des soins des yeux se trouvent dans ce type de tube, en fait. Et moi, j'ai vachement de mal. Je sais pas pourquoi, si c'est psychologique ou quoi, mais j'ai l'impression que ça m'y... Enfin, que celui... Alors, en plus, celui de Fenty, vous le twistez, ça sort juste la dose. Enfin, voilà, c'est le truc parfait. Le truc juste dose un peu gadget aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, mais j'ai vu bien plus cher avec pas de gadget non plus. Donc, voilà. J'avais quand même envie... voilà, je suis La passion du test reste plus forte que tout et j'ai quand même envie, voilà, d'avoir un autre truc à côté. Donc je testerai ce produit-là parce que c'est vrai qu'il y a eu de belles surprises quand même dans cette marque. Ils ont quand même fait beaucoup d'efforts aussi. Voilà, mais juste pour dire qu'au niveau packaging, moi, chez moi, il y a un petit côté psychologique du pot bien hydratant pour le contour des yeux. C'est, voilà, juste comme ça. Je vais continuer cette partie de vidéo avec tout ce qui va être autour de la mode, de petites choses qui vont être plus pour la rentrée et d'autres qui font ma fin d'été. Donc je vous ai déjà parlé, vous m'avez certainement vu au moins sur Insta avec ce petit haut que je porte
plusieurs fois par semaine. Donc il y a eu beaucoup de coups de cœur chez Bonobo cette année, comme vous l'auriez compris, entre toutes mes salopettes, voilà, pour ceux qui m'ont un petit peu suivi. Et c'est vrai que ça a toujours été une enseigne vers laquelle j'ai toujours trouvé des petites touches d'originalité, la qualité surtout. Le prix, il faut faire attention. Maintenant, voilà, avec le système de fidélité, on arrive quand même à avoir des choses plutôt abordables. Et donc, alors c'était ma fille qui l'avait repéré dans le rayon, puisqu'on y allait voir pour elle aussi. On allait voir en fait le rayon fin de solde, tout simplement. Et ils avaient sorti cette petite mignonnerie. Donc, je vous raccroche les visuels, normalement, au fur et à mesure que je vous présente les pièces mode. J'avais l'espoir qu'ils le sortent dans une autre couleur et je n'ai pas encore vu, mais je vais y regarder de temps en temps parce que en général, quand il y a des produits pépites comme ça, il y a des dérivés qui sortent, j'aurais adoré l'avoir en noir, clairement. Je suis pas du tout une fan de choses avec trop de fantaisie, les petites manches un peu bouffantes et tout, c'est pas trop mon truc à la base, mais sur certaines pièces, quand c'est bien fait, je trouve ça super joli et c'est le cas de ce petit haut en fait qui tombe très bien, qui se pose bien sur vous et tout ça. Et la matière, enfin super quali et tout. Donc voilà, encore merci pour Bonobo. Ma fille, elle s'est choisie, je vous le montre quand même, ce petit. Elle, ça faisait un moment qu'elle voulait un petit gilet ajouré comme ça. C'est ce qui s'est beaucoup fait au cours de l'été, hein, clairement. Et je pense que ça va suivre un petit peu pour la rentrée. Donc un peu écru comme ça, donc pareil, hein, c'est Bonobo. Et au niveau des petits détails, donc là, celui-ci, je vous le montrerai peut-être pas porté parce que c'est le sien, ou alors sur le site. Image du site, vous avez les petits boutons en bois comme ça. Je trouve qu'il lui va super bien. Les trous sont pas toujours du mal avec ce genre de choses parce que faut pas que le froid passe trop à travers non plus, mais ça va, c'est pas trop ajouré comme vous le voyez. Il est super joli. Vraiment, ils ont des super jolies pièces. Donc pour elle, c'était ce petit gilet là. Je vous avais également parlé, peut-être montré, donc ça c'était plus au rayon solde et ça valait vraiment le coup parce que tout passait à moins 60 à la fin. Je pense qu'il y a même encore des petites choses d'ailleurs. Et j'ai eu un coup de cœur sur ce jean. Alors je vous le montre juste comme ça, donc ça paraît somme toute classique. Donc Bonobo et d'autres enseignes ont été beaucoup dans le jean ou le short porté avec le petit, voilà, le petit foulard, le petit truc que vous pourrez utiliser soit dans les cheveux, soit... Donc ça, moi, je suis très très fan aussi. Cette année, j'ai beaucoup moins porté de choses dans les cheveux, mais sur... il n'y a pas à dire, je trouve que sur un pantalon, un short ou quoi, ça finit la coupe. Bon, ce qui m'a fait hésiter, c'est que c'est la fameuse coupe qu'ils appellent maintenant la coupe slouchy, qui est une coupe... comment dirais-je, un petit peu ample au niveau des cuisses, voilà, qui est un peu plus resserré à la taille, une coupe hyper décontracte, mais quand on arrive à bien l'associer, et en fait ce qui s'est passé moi dans le magasin, c'est que j'ai craqué pour l'ensemble, c'est-à-dire le haut que je porte aujourd'hui, et le jean comme ça, ce qui fait que le haut étant plutôt moulant et avec une coupe quand même très... voilà, très défini ou quoi, c'est une coupe de pantalon qui arrive à super bien passer, une petite paire de baskets, gros coup de cœur visuel. Donc pour les visuels, j'essaie de vous reporter la tenue complète pour vous montrer un petit peu. Je sais pas si on les retrouve encore vu qu'ils sont passés en solde, mais en tout cas, je sais que la coupe slouchy, ils ont sorti des nouveaux modèles. Donc vous devriez pouvoir la retrouver, je pense, mais voilà, je trouve que ça change un petit peu et c'est un tissu de jean qui est un petit peu plus... J'irai pas jusqu'à dire fluide, parce que c'est assez particulier, mais qui est plus léger en fait, et qui est beaucoup plus confortable qu'un jean un petit peu trop raide, sans avoir pour autant de l'élastane. Donc c'est vraiment un tissu assez particulier. Chez Pimki, maintenant, un petit achat duo. Alors le deuxième, j'ai dû le commander, parce qu'il n'y avait plus ma taille, mais j'ai eu un coup de cœur pour... vous m'avez déjà vu avec robe longue un petit peu moulante. Et ils les ont sortis en matière côtelée comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc pareil, hein, je vous remonte soit les images portées de moi ou du site en fonction de ce que j'ai le temps de filmer. Et la matière est juste incroyable. On est à l'aise, mais c'est un truc de fou. Il n'y a pas d'ouverture sur le bas. Jusqu'à maintenant, donc j'avais une assez ancienne robe noire, je vous avais montré, fendue sur les côtés et tout, pour un côté aussi un petit peu plus pratique lorsqu'on marche et tout. Mais là, elle est juste suffisamment écartée, en fait. Alors, les grands pas, non, j'irai pas jusque-là. Mais vous n'êtes pas non plus complètement étriquée ou quoi. Et alors, je trouve qu'elle a une allure, cette robe. Mais juste, voilà, elle englobe bien au niveau des épaules, en fait, pour pas vous faire non plus type trop Marcel, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, débardeur.
Et ce petit côté classe et décontracte que j'ai beaucoup aimé. Donc, comme je le disais, c'est le genre de choses que je vais porter beaucoup avec des compensés ou quoi, mais également avec des baskets, tout simplement, pour casser le côté un petit peu trop strict. Et je l'ai dernièrement associé, celle-ci et l'autre que je vais vous montrer, avec une veste en jean quand il fait un petit peu froid ou quoi. Et je trouve que c'est un look tip-top. Et au moins, les jambes sont couvertes. Donc, comme on a eu un été plutôt mitigé, je les ai quand même pas mal portées. La deuxième, bah, vous l'avez vu en vlog, c'est la... C'est le coupe marinière. Alors, c'est pas tout à fait... Elles sont dans la même catégorie, mais c'est pas tout à fait la même matière. Style côtelé quand même. Vous voyez, comme ça. Donc, marinière, mais c'est noir et beige, en fait. Et même principe. Voilà, pas ouverte vers le bas. Mais quand même, vous voyez, suffisamment large. Toc. Pour être à l'aise et marcher quand même correctement, puisque la journée où je suis partie marcher toute la journée à La Rochelle, c'est ce que je portais donc, et j'ai eu aucun souci. Et comme le temps était mitigé, honnêtement, je vous dis ça, la petite veste en jean, et c'était nickel. Donc c'est tout ça pour Pinky. Côté mode, je termine avec H&M. Bah pareil, je vous ai montré ça à la fin de mon vlog. Je voulais me reprendre une petite marinière manche longue cette fois-ci pour la rentrée. Sans faire trop dans le bleu marine ou quoi que ce soit, parce que ça, moi, ça me convient bien en début, avant l'été, et après, limite, ça me casse le moral. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça, c'est un petit plus, un petit côté, voilà, rentrée, début d'automne ou quoi. Manche longue, je l'ai trouvé super jolie, tout simple, un basique. Hein. Donc plutôt pas trop cher chez H&M quand même. Et je me dis, voilà, avec les derniers jeans que j'ai pu m'acheter au cours de la saison, même sur un short, hein, clairement, c'est super joli. Mais voilà, la petite pièce très, très, très classique qui fait la différence avec les petits boutons. J'adore. Donc, je vous laisse pour le moment, mais vous allez me retrouver tout de suite pour la suite de ce haul. Je vais juste changer de look. Bon, et bien, c'est par un temps de canicule de retour que je viens conclure cette vidéo. J'ai plus qu'un article à vous montrer puisque, malheureusement, je n'aurais pas reçu à temps... les produits dont je voulais vous parler à la fin de cette vidéo, c'est pas très très grave en soi. Il n'y avait pas énormément de choses, mais il y avait des petites choses sur lesquelles je voulais un petit peu discuter. Donc ce que je ferai, bien, c'est que ce sera certainement reporté à la prochaine vidéo, ou en tout cas au prochain partage. Je termine donc avec une dernière pièce mode. Il s'agit d'un petit top à... Comment ça s'appelle, ce genre de choses? Donc c'est très tendance là depuis le printemps-été. Et je dirais un petit peu, voilà, les tissus un petit peu ajourés comme ça, effet un peu broderie. Donc une matière un petit peu plus épaisse quand même que les tops classiques. Mais j'en cherchais un assez discret, si je puis dire, parce que j'en ai vu de très jolis, par exemple en noir. Mais on voit vraiment, je trouve, la peau au travers. Et suivant où ça tombe, et bien, ça me gênait un petit peu. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc de la marque Only, tout simplement, qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque qu'on peut retrouver dans différentes enseignes, sur les sites internet bien entendu. Et je dois dire que j'y regarde assez régulièrement parce qu'ils ont des pièces très chouettes de temps en temps. Certains jeans aussi sont parfois très très bien coupés. Donc voilà, pour ce petit top, donc c'est le dernier que je ne vous montrerai pas porté parce que là je vais vraiment manquer de temps. Et puis bah voilà, il est tout propre, moi j'ai super chaud. Donc, mais il est très très simple. Je pense que par le... Par la suite, comme je l'ai lavé, je vais voir, mais quand je l'ai porté le premier jour, en fait, pour moi, au niveau décolleté, il est un tout petit peu grand au niveau de la bretelle. Donc, je pense que je vais juste simplement la raccourcir, vous voyez, comme ça. Voilà, il y a un petit centimètre de trop par rapport à ça. Ça va dépendre un petit peu de votre décolleté, parce que c'est une taille S, il me semble. Voilà, sinon, il tombe super bien. Donc, une petite coupe V devant et derrière. Et voilà, moi je le porte avec un sous-vêtement en général, la plupart du temps c'est blanc, ça arrive à aller même avec de la couleur chair, bon l'idéal c'est du blanc. Il est hyper agréable à porter, voilà vous avez une petite fantaisie sur le bas. Donc c'est la dernière petite pièce qui va me permettre, on va dire, voilà, de terminer l'été. Aujourd'hui c'est pas le type de pièce que j'aurais mis, un petit peu trop chaud pour le coup, même s'il y a vraiment de fines bretelles. Puisqu'on remonte au-dessus de 35 degrés, non mais c'est un truc de fou cet été. Et voilà, là on est parti sur des nuits à 22-23 degrés, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus dur, on le ressent. Hein. On attendait la chaleur, je pense tous un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'en demandait pas forcément autant, c'est toujours le même problème. Il faut faire avec. Pour le coup, aujourd'hui, vraiment encore une tenue très estivale. J'ai sorti
tous les petits bijoux que je vous avais parlé dans mon haul solde, etc. Donc c'était plutôt bien assorti, ça c'est la parenthèse. Pour conclure la vidéo, donc voilà, désolée de vous avoir fait patienter sur cette fin de vidéo avec des perspectives de d'autres achats, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc en attendant une prochaine vidéo, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.